Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc, on est sur les dernières vidéos de l'année, donc je vous ai déjà fait la classique, mes meilleurs et mes pires achats luxe. Et là en fait c'est un peu différent, ça va plutôt être un bilan, à la fois au niveau personnel et au niveau luxe, par rapport à 2023 et par rapport à ce que sera peut-être 2024, parce qu'après bon c'est un peu difficile de se projeter là comme ça sur l'année prochaine. C'est pas une wishlist, c'est pas non plus, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, donc let's go. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour soutenir ma chaîne, donc merci beaucoup. Comme d'hab, vous me connaissez, mes vidéos c'est toujours, c'est jamais méga préparé, surtout ce style là, parce que je voulais la spontanéité. J'ai l'impression que vous aimez bien ma spontanéité globalement parmi les abonnés, donc j'ai préparé quelque chose que j'ai envie de vous dire, mais bon, voilà. Sinon hier j'étais chez le coiffeur, j'ai fait un balayage, mais je pensais que ça se verrait plus en fait, je sais pas si vous voyez, mais... Bon là après aujourd'hui il pleut, on continue, donc il fait gris de l'enfer, mais je sais pas en fait, j'ai des... Ouais un balayage, mais je sais pas, je trouve que ça se voit pas énormément. Mais bon, vu que hier je suis rentrée chez moi et il faisait nuit, et là bah il pleut, donc autant vous dire que la luminosité est pas ouf. Et... Voilà. Bref, on s'en fout. Cette année je suis assez contente au niveau de mes achats luxe, que j'ai quand même acheté des grosses pièces en seconde main. Donc j'ai acheté mon mini Jackie, celui-là sur Vinted. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était toute une aventure, parce que au départ j'ai cru que c'était une contrefaçon et tout ça, il n'y avait pas encore l'expertise là sur Vinted à cette époque là et puis finalement je l'ai fait expertiser et aucun problème, juste il est magnifique. Bon, je l'ai quasiment payé le prix du neuf, je l'ai payé 1005 de mémoire. En boutique il est, on va dire, 1790, enfin des modèles équivalents, parce que celui-là n'est plus produit, c'est un modèle de 2018 ou 2019 je crois. Donc je suis assez contente au final d'avoir trouvé certaines pièces en seconde main. J'ai également donc en grosse pièce ma petite malle là, ma petite malle Vuitton que j'ai trouvée aussi en seconde main. Là c'est une pièce quasiment unique, enfin c'est ce que j'aime à penser en tout cas. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvée en seconde main, parce que là pour le coup beaucoup moins cher que neuf. Après je vous mettrai en barre d'infos les vidéos dédiées, parce que je me souviens plus des prix honnêtement, j'ai pas cherché, le but c'était pas de faire un bilan financier de ce que j'ai acheté cette année. J'hésitais à le faire mais je me suis dit que ça allait me faire trop peur de calculer combien j'avais claqué en luxe, donc je me suis dit non, j'ai pas envie, je n'ai pas envie de faire l'addition clairement, c'est non. Donc voilà, donc le sac je l'ai payé à peu près 3003 je crois, il me semble moins de 3005, mais ou 3006 peut-être, 3006 enfin par là, alors que neuf, la petite malle classique je crois elle coûte 4005 et donc là une édition cuir et un peu, enfin je sais pas, vu qu'elle était pas vendue c'est un peu difficile, mais je pense qu'elle coûtait au moins 4005 par là, donc c'était quand même une bonne affaire entre guillemets, on se calme. Donc ça je l'avais acheté sur Farfetch, donc sur Farfetch ils ont de la vente de seconde main, je sais plus le nom exact. Vous avez toutes les infos dans la vidéo, mais en tout cas je suis hyper contente d'avoir trouvé ces deux pièces, parce que mine de rien celui-là pendant quand je le cherchais il y avait très peu de pièces, donc c'est vrai qu'il était cher, mais bah, je l'ai pris, oui il est en rembourré, c'est pas très beau mais au moins il tient sa forme. C'était assez cher par rapport au prix neuf finalement, mais bon, bah, vu que je le trouvais pas, il y avait vraiment très peu d'annonces je crois au moment où je l'ai acheté, c'était la seule annonce en fait, et l'annonce était à la fois sur Vinted et sur Vestiaire Co, donc ça quand même je m'étais dit, il me semble, hein, en termes de sécurité, enfin par rapport au fait que ce soit un vrai, mais bon j'avais quand même eu un doute. Donc je suis hyper contente de ces deux pièces. Autre pièce que j'ai acheté d'occasion, c'est ce petit sac à dos que j'ai acheté donc pour mon fameux voyage en solo en Italie. Pareil, super pièce, je l'ai payé, oh je sais plus. Bah pareil, je vous mettrai la vidéo, je suis désolée, je suis à l'arrache. Mais je l'ai payé une centaine d'euros, 200, je crois que je l'ai payé 200 euros. Sac en cuir vintage Céline, de qualité de fou. Franchement, le cuir, il a une qualité, vous imaginez même pas. Je pense que c'est du cuir de veau, la texture. Franchement, le grain est magnifique. Après, le logo qui est un peu sale, faudra que je le nettoie avec un produit spécifique. Enfin, je crois là, je l'avais juste nettoyé comme ça. Mais non, franchement, il est top, il est hyper pratique, c'est le format idéal pour un petit voyage, pour mettre le guide, la bouteille d'eau et le parapluie, par exemple, c'était parfait. Donc je suis vraiment hyper contente. Alors moi, pour moi, la seconde main, j'en ai toujours acheté, finalement. C'est vrai que je regarde de plus en plus, parce qu'au final, je veux souvent des pièces qui sont plus vendues. D'ailleurs, j'ai un quatrième sac acheté en seconde main, que je vous ai pas encore montré, que je vous montrerai l'année prochaine, parce que là, j'ai pas le temps de faire le unboxing, et je trouve c'est nul de faire un unboxing, là, juste avant Noël, enfin... Non, en fait, donc ce sera l'année prochaine. Donc c'est pas vraiment une fin en soi de dire il faut acheter, enfin je peux toujours dire oui, il faut acheter que de la seconde main pour protéger la planète, gna gna machin. Alors c'est super d'acheter en seconde main. Moi honnêtement c'est pas tant
Si je regarde la seconde main, c'est en premier pour payer moins cher et en deuxième pour trouver des modèles qui ne sont plus produits. Voilà, enfin, c'est quand même surtout pour ça. Et après, je trouve qu'effectivement, c'est une démarche écolo, entre guillemets, mais qu'il y a quand même du transport, du truc, donc c'est écolo, oui et non, quand même. Mais bon, c'est toujours mieux, on va dire, que de faire fabriquer de nouvelles pièces, on va dire, même si ça n'empêche pas que par ailleurs les marques fabriquent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, moi, c'est, enfin, l'objectif, c'est pas que je suis pas écolo, mais je suis pas super écolo. Enfin, vous voyez, je consomme, je surconsomme, donc non, clairement, je peux pas dire que je suis écolo, mais j'essaye de faire attention. Honnêtement, je suis plus à faire attention, genre sur ma consommation d'eau, par exemple. Ça, je pense que je suis au top sur la consommation d'eau. Parce que je reste 2 minutes dans la douche, je laisse pas couler l'eau quand je me brosse les dents ou quand je fais la vaisselle, je suis hyper efficace. Enfin, ça, j'essaie de faire attention à ce genre de choses. Pareil sur l'électricité. Bon, là, c'est suréclairé, mais parce que je tourne. Mais sinon, je fais assez gaffe à éteindre les lumières, pas laisser les trucs en veille, débrancher les prises, ce genre de trucs. Mais c'est vrai que sur ma consommation, je dirais pas que je suis une acheteuse compulsive, mais je dirais que j'achète... pour combler des manques ou pour quand je suis triste, quand je vais pas bien, quand je suis déprimée, j'achète. C'est un peu ma thérapie, c'est je mange et j'achète des trucs. Donc voilà, après j'essaye quand même parce que à chaque fois qu'on achète, enfin, moi si j'achète un truc trop cher, ça me. Ouais, enfin le petit truc qui fait non, mais pourquoi t'as acheté ça, c'est trop cher, ça ne sert à rien. Enfin, mais qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces affaires qui coûtent des milliers d'euros, ce n'est pas raisonnable, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Bon. Mais on le fait quand même, donc après je me dis oui mais j'ai des sous, ça, le dialogue entre le petit ange et le petit démon là, oui mais j'ai des sous, après tout je fais ce que je veux, j'ai quand même des économies, voilà, j'ai mon assurance vie machin, enfin j'ai des sous de côté, j'ai investi, donc ça va quoi. Enfin bref, donc enfin, j'estime que bon après j'ai pas de leçons à donner et je pense que j'ai pas non plus de leçons à recevoir, c'est que bah après chacun fait ce qu'il veut avec son argent et chacun voit comment il veut agir par rapport à l'écologie, etc. etc. Moi j'essaye de faire plus attention et c'est vrai que finalement je suis de plus en plus attirée par les pièces vintage, donc bah ça aide à consommer effectivement en seconde main et c'est vrai qu'on peut faire des super affaires et trouver des petites pièces, enfin, typiquement le petit sac à dos. Bah, par exemple, honnêtement j'aurais bien aimé le sac à dos Céline qui est neuf, celui qui est en toile triomphe. Mais qui coûtait, le prix était indécent, je sais plus, 1005 peut-être, enfin je sais pas, mais plus de 1000 balles en tout cas. Je me suis dit pour un truc que je vais peu utiliser, franchement ça en fait c'est parfait, puis c'est en cuir, donc en termes de rapport qualité-prix, bah j'y suis gagnante finalement sur une pièce vintage. Et ce que j'aime bien aussi quand même dans le vintage, c'est le fait que, bah après on ne sait pas à qui ça a appartenu, mais je sais pas, je me dis le produit il a une histoire, surtout les produits je sais pas qui ont été achetés, enfin... qui date des années 80 et tout, donc en plus ça devait coûter une bouchée de pain à l'époque même. Mais c'est... Enfin je sais pas, en fait je trouve que ça rajoute un supplément d'âme à la pièce et je trouve ça vraiment cool en fait. Ça j'aime bien, surtout sur les bijoux. Je trouve le fait d'avoir des bijoux vintage, ça rajoute un truc. Là j'aimerais bien m'acheter par exemple des bijoux art déco, des boucles d'oreilles art déco. Je sais pas, c'est des bijoux qui datent quasiment qui ont 100 ans et je sais pas, je trouve ça ouf en fait de se dire que bah, ils ont appartenu... à quelqu'un qui a vécu à l'époque de nos arrière-grands-parents et je sais pas, je trouve ça... Enfin, après j'adore l'histoire donc c'est un truc, ça me parle vachement et même si on pouvait avoir l'histoire de... l'histoire de la pièce et de la personne qui l'a portée, ce serait trop cool. Mais c'est pour ça que j'aime aussi les sacs un peu intemporels, iconiques et ceux qui sont un peu, on va dire, qui ont une histoire ancienne, typiquement, enfin je sais pas, le Alma, le Speedy, pour parler de Vuitton notamment, parce que c'est quand même une marque ancienne, ou même bah, pour le coup le Jackie et tout ça, c'est qu'il y a une histoire, le sac il a été créé il y a plus de 50 ans, enfin je sais pas, je trouve ça hyper cool en fait de se dire qu'on possède des pièces, alors la pièce en elle-même elle a pas été fabriquée il y a 50 ans, mais qui est issue d'une tradition, qui est issue d'une... ben voilà, qui a été modélisé il y a 50 ans, et le truc il est toujours à la mode, ça je trouve ça ouf en fait. Et la pièce est de plus en plus désirable, parce que les prix augmentent et tout ça, enfin je trouve que ça rajoute encore, enfin je sais pas, à l'aura on va dire de la pièce, donc ça j'aime bien, et je trouve le fait d'acheter en seconde main, enfin après ça marche pas pour toutes les pièces, mais je passe un peu dans cette idée là, et donc ça j'aime bien. J'ai quand même acheté des sacs en boutique, alors en boutique j'ai acheté, vraiment en boutique, j'ai acheté lui, où je me suis déplacée et j'étais dans le magasin Expérience Boutique, tout ça. Donc Louis V, alors je me souviens plus du nom. Anagram Cut, c'était Anagram Cut quelque chose. Je l'adore ce sac, je l'ai mis tout l'été vu que j'avais que celui-là et le Gucci. Il est super, il est vraiment super. Après, est-ce qu'il s'est un peu abîmé? Après au niveau des cuts, je pense qu'il y a quand même moyen que ça s'abîme un petit peu. Un tout petit peu sur les tranches ici, mais... Je pense pas que la caméra va réussir à montrer. Je sais pas si vous voyez des petites traces là, vraiment sur la tranche, la petite trace noire. Mais bon, vraiment très léger, ça se voit à peine. Donc bon, par contre, mauvaise expérience chez Louis V où service est
pas super pro, mais pareil, je vous renvoie vers la vidéo dédiée parce que sinon la vidéo va durer 12 ans. J'étais très contente d'avoir cette pièce, c'était un petit prix pour l'OEV, je crois 750, un truc comme ça, ou 780. Après, Awa avait fait une autre vidéo et c'était en promotion, ou elle l'avait eu en promotion sur 24S ou quelque chose comme ça. Mais bon, donc c'est des pièces qu'on peut trouver éventuellement moins chères au solde. Bon, moi je l'avais payé plein pot, ça c'est typiquement un achat en mode j'étais triste, j'avais eu une nouvelle de merde et j'ai acheté ce truc. Donc bon, j'en suis très contente et voilà. Et l'autre pièce que j'avais achetée neuve, eh ben, c'était lui. Mais lui, je l'ai acheté sur internet. Je l'ai pas acheté en boutique parce que j'avais eu peur en fait qu'il soit plus dispo. Je crois que quand j'avais regardé, il était pas dispo. Bah, après, souvent j'ai la flemme d'aller en boutique, machin, mais c'est souvent j'ai la flemme. Donc j'avais acheté sur internet cette petite beauté. Parce qu'en fait, je l'avais vu il y a un an. J'avais été invitée à un cocktail chez Céline pour je sais plus quoi. Et le sac, il y était. Et j'avais trop eu un coup de cœur parce qu'il est juste trop beau, donc c'est des sequins, c'est du cuir et des sequins par-dessus. Bon, je l'avais pas acheté parce que je venais, à ce moment-là, je venais de m'acheter un sac déjà, donc je fais bah non. Et au final, bah, quand je l'ai vu sur le site, je l'ai acheté direct, j'ai pas réfléchi, donc voilà. Mais non, très contente de ces achats. En fait, là, moi, cette année, vraiment, mais je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je pense, j'ai l'impression d'avoir abouti, la meuf qui sait plus parler. D'aboutir, voilà. J'ai l'impression d'aboutir à vraiment une collection homogène, complète. Là, honnêtement, j'ai aucun objectif sac pour 2024. Je suis contente, je trouve que j'ai un peu de tout. J'ai tout ce que je voulais, à part, bon, un petit Kelly, clairement. Mais faut être un peu réaliste. Moi, le Hermès Game, ça me gave. Donc, en plus, ici, il faut... Enfin, sinon, faudrait que j'essaye en province, limite, mais casse-couille, franchement, super chiant. Donc, j'ai la flemme, en fait, de faire le Hermès Game. Et puis, surtout, moi, je voudrais une couleur vraiment spécifique. Je voudrais un sac bleu canard. Et je me dis, je vais jamais, apparemment, ces couleurs saisonnières et tout, je l'aurai jamais, quoi. Enfin, donc, je sais pas, on verra. Puis, surtout, c'est très cher. Et je me dis, avec le prix d'un Kelly, là, je sais pas, là, en ce moment, il doit être à 8000. Donc, là, d'ici quelques semaines, il va augmenter. Parce qu'en général, ils augmentent leur sac au 1er janvier. Je pourrais en acheter peut-être 3. 3 gros sacs d'une d'autre marque, enfin vous avez 3 sacs à 3000 balles ou un sac à 9000. Donc bon, après clairement j'ai déjà plein de sacs. C'est vrai que j'ai rien du tout de chez Hermès en sac. Je crois que bah, j'ai un foulard et des boucles d'oreilles chez Hermès, c'est tout. Mais bon, on peut pas tout avoir. Cette année je suis aussi contente parce que j'ai acheté des pièces collector. Donc en début d'année il y a eu la collection Kusama. Enfin après collector je sais pas parce qu'il y avait vraiment des quantités énormes, énormes, énormes. Donc je sais pas si c'est des vrais collectors, mais bon en tout cas moi pour moi. Donc des pièces de la collection Kusama. J'ai acheté le parfum Spell on You qui est au marque. Bon ça voilà c'était comme ça parce que j'aimais bien ce parfum. Donc c'était l'occasion autant le prendre dans la collection limitée. Après j'ai acheté mon agenda. Le porte-agenda en fait en cuir rouge avec les pois. Bah un peu pareil là comme ça avec les pois. Et également j'ai acheté un porte-clés. Évidemment les pièces je ne les ai pas avec moi. Mais je les ai montrées dans d'autres vidéos. Donc à la limite je vous mettrai les vidéos d'unboxing. Je suis assez contente de ces pièces. Je les trouve hyper belles. Après ça a été en vente pendant assez longtemps. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment des pièces rares pour le coup. Parce que franchement ça a été en vente pendant tellement de mois qu'il y avait vraiment beaucoup de pièces je suppose. Ou alors c'était cher et ça se vendait pas. Mais ça avait quand même l'air de se vendre. Enfin je sais pas trop. Mais en tout cas moi je suis contente d'avoir acheté ces pièces. Bon déjà d'une je suis contente parce que vu que je suis fan de packaging, le packaging Kusama était juste trop beau. Déjà, donc c'était ça, le porte-agenda qui est trop beau. Donc c'était Infinity Dots. Hop, et vu que je suis fan, complètement fan de la ceinture, de la serrure S, voilà, je trouve trop beau. Donc maintenant, il faut que je l'utilise, par contre, pour le coup. Mais là, j'ai prévu, en 2024, je reprends sérieusement mon carnet, là où je note tous les jours des trucs. Faut vraiment que je m'y mette. J'ai aussi acheté 2 paires de chaussures, donc les sandales Cléa Gladiator de chez Céline et également des boots de chez Jean Vitor aussi. Donc pareil, je vous mettrai les vidéos dédiées. Donc je suis hyper contente parce que pour le coup, les Céline, je les ai mis tout l'été vraiment. Au début, je les trouvais lourdes, mais finalement, elles sont top. C'était dans mes meilleurs achats luxe, donc j'en parle pas plus. Et les Jean Vitor aussi, hyper confortables, pareil, je les mets très souvent, pas tous les jours, parce que je trouve que ça va surtout bien avec une robe. Et une jupe, donc quand je suis en pantalon, je les mets pas, mais sinon là, je les mets vraiment très souvent. Elles sont confortables, elles sont super. Par contre, faut s'habituer, vu que elle remonte un peu au niveau de la cheville. Au début, je trouve ça, moi, ça entravait un peu ma... Genre dans les escaliers, j'avais un peu du mal à descendre les escaliers. Enfin, faut le temps que le cuir, il se fasse un peu, mais ça, c'est normal. Enfin, voilà. Mais sinon, elles sont top. Donc, je suis vraiment hyper contente de ces achats aussi. Après, j'avais acheté... Mais ça, je vous en ai parlé dans les pires achats luxe. Donc, je vais peut-être pas non plus... En refaire des caisses. J'avais acheté ces lunettes là que je trouve pas assez foncées au niveau du verre, mais je les mets quand même, donc c'est pas non plus un mauvais achat. Et un article,
c'est parce qu'on arrive sur la fin au niveau des articles luxe. Un article que dont j'ai oublié de parler. Voilà, c'est la merde parce que je voulais vous parler d'un autre article donc que j'ai un peu zappé quand j'ai fait ma vidéo de mes meilleurs et mes pires achats luxe qui auraient pu être dans les meilleurs. C'était mes boucles d'oreilles Hermès. Et je les trouve pas. Alors j'étais au waterbike cette semaine, donc je les avais enlevées. Donc peut-être je les ai laissées sur mon bureau au taf, j'espère. Putain, son. Donc, je ne sais pas où elles sont, mais en tout cas, donc je suis contente de cet achat. Au niveau bijoux, j'avais eu un bracelet à mon anniversaire. Donc je vous ferai de toute façon ma collection de bijoux prochainement. Là par contre, grosse déception, j'ai dû le refaire. J'ai dû le faire fondre et le refaire et je ne l'ai toujours pas récupéré. Mon projet date du mois de mars quand même. Hein. Mon anniversaire était en mai. Le bracelet, j'ai eu en juillet. J'ai eu plein de problèmes dessus. Conclusion, série de problèmes. Il aura fallu quasiment un an. Et donc là, ils m'ont complètement refait, mais c'est même plus le même modèle. Ça ressemble mais c'est pas tout à fait pareil, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas si j'en parlerai dans la vidéo sur ma collection de bijoux ou si je ferai une vidéo dédiée. Bon, peut-être pas une vidéo dédiée parce que j'aurais pas suffisamment à dire, mais bref, enfin voilà, je suis dégoûtée parce que ce bracelet, j'ai fait fondre des bijoux de famille, j'ai fait fondre genre l'alliance de mon ex, j'ai fait fondre des trucs comme ça, donc ce truc un peu symbolique, et je sais pas, vous savez, enfin, je suis assez un peu symbole, gnangnan, machin, et je m'étais dit oui, c'est un peu un renouveau quand t'auras ce bracelet et tout, et en fait, il y a eu que des problèmes. Donc le truc il est un peu flingué, je suis un peu dégoûtée mais bon bah c'est comme ça, c'est qu'un bracelet, c'est pas grave, mais bref, donc voilà, j'espère pouvoir vous parler prochainement du bracelet et j'espère le récupérer avant Noël aussi quand même, parce qu'à la base il était pour mon anniversaire quoi, donc voilà, je suis saoulée. En dernière pièce de luxe là que j'ai pas parlé, c'est mon poncho Burberry donc que j'adore, je le mets au taf et je l'ai mis ceinturé comme je vous avais montré dans la vidéo, je suis hyper contente, tout le monde était là genre « Ah c'est trop beau et tout !» Ça te va trop bien, machin. Donc, j'ai bien fait d'oser, on va dire. Donc, j'étais contente. Voilà, c'est sur une robe noire. En fait, je l'avais mis sur une robe noire parce que j'avais froid. Et c'est vrai que c'est sympa. Sinon, je le mets juste sur les épaules, enfin en mode poncho, sans le ceinturer. Et c'est bien aussi. Donc, globalement, beaucoup d'achats. Je pense que j'étais quand même plus raisonnable que l'année dernière, en tout cas au niveau des sacs, puisqu'il y a quand même il y a deux sacs vraiment boutiques, le reste c'est des sacs seconde main. Et au niveau des sacs boutiques, finalement, aucun sac à plus de 2000 euros. Puisque c'était Céline est à 1006 et l'autre il est à 750. Donc j'ai l'impression d'avoir fait des économies. Alors que pas du tout, mais un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis assez contente de mon année au niveau de mes achats. Après, je sais pas si j'aurais déjà sorti la vidéo sur mon dressing quand vous allez voir cette vidéo-là. Parce que la vidéo dressing va être tournée dans la foulée là cet après-midi. Après, j'ai beaucoup trop de choses. Je trouve que là, mon dressing, c'est pas possible. C'est... ça déborde partout, bon après c'est mal rangé encore mais vous me direz ce que vous en pensez mais ouais non vraiment en fait j'ai pas d'objectif pour l'année prochaine donc là il me reste des pièces à vous présenter que j'ai déjà acheté bah, pour Noël et un fameux sac que je vous ai pas encore montré mais c'est vrai que sinon j'ai pas, là en fait ma soif de luxe pour le moment est rassasiée mais bon vous savez le moindre, en deux secondes je peux trouver 15 trucs que j'ai envie d'acheter, c'est pas la question, je pense que j'aurais pas de problème à vous faire une wishlist mais pour l'instant là au jour actuel, non, parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est nul comme expression, donc aujourd'hui j'ai rien de, j'ai pas, je me dis pas je veux ça, à part donc éventuellement le Kelly, mais trop compliqué, trop, enfin moi quand j'ai envie de dépenser de l'argent, j'ai envie de dépenser de l'argent tout de suite en fait, donc ça me fait chier de devoir attendre, mais ouais non là j'ai pas d'objectif, y a pas de sac qui me fait de l'œil, à part donc soit, enfin ce que je vous disais dans une vidéo pour mon sac Gold 2024 que je vous mets en dessous, donc si je pouvais avoir un Kelly ou si je pouvais avoir un Chanel vintage, voilà, ou éventuellement un Capucine mais en occasion parce que sinon c'est beaucoup trop cher, mais même je me dis pas je veux absolument le sac, j'en rêve la nuit tout, non, enfin il y a une petite lassitude en fait, il y a une petite lassitude honnêtement depuis que j'ai déménagé. Je pensais que j'allais un peu plus être au taquet pour le retour des vidéos, bon là j'ai déménagé il y a 3 semaines donc c'est récent, mais j'ai pas retrouvé la foi, on va dire. Enfin, j'ai du mal. Là, j'ai du mal à trouver des thèmes. J'ai du mal à trouver. À me motiver pour préparer des vidéos. Je vous ai même pas fait de vidéo genre idées cadeaux. Bon, il y en a eu 50 des vidéos idées cadeaux. Je me suis dit, c'était pas la peine que je fasse la mienne, qu'il y en avait déjà trop. Et que j'allais pas trouver quelque chose. J'allais pas avoir un angle intéressant, en fait, ou différent des autres. Voilà, après, les idées cadeaux, c'est les idées cadeaux. Enfin, j'avais l'impression que j'avais pas rien à dire de plus que les vidéos qui ont déjà été faites, qui sont très bien, de Hawa. Clémence, enfin je sais pas, il y en a eu plein, donc j'ai décidé de pas le faire, et puis honnêtement j'avais pas la motivation et le dynamisme et comment dire, enfin j'étais crevée quoi, donc j'avais la flemme de préparer, tout simplement. On continue et après on revient sur plus les trucs perso. Autre petit bilan, c'est au niveau des partenariats, puisque cette année j'ai eu mes premiers vrais, enfin j'avais déjà eu un partenariat l'année dernière,
Mais j'ai eu des gros partenariats cette année, donc j'ai notamment eu le partenariat avec Code 41. Bon, c'est une de mes vidéos qui a le moins marché, mais moi je leur avais dit, les gars, faut pas faire une vidéo que sur la montre d'une marque que les gens ne connaissent pas, faudrait faire une vidéo sur où je présente la montre et je présente autre chose. Ils ont voulu une vidéo dédiée, alors moi je suis ravie de ma montre, juste elle est tellement belle, je la mets quasi tous les jours, je l'adore, elle est top, je vous montre. Donc c'est la D41 Gold comme ça, avec ce petit bracelet, vous pouvez changer les bracelets, vous pouvez acheter d'autres bracelets, enfin voilà. C'est des marques, c'est des montres personnalisables en fait, vous les précommandez en ligne et vous pouvez tout choisir, franchement j'adore. Donc je suis tellement fière de ce partenariat, vous imaginez même pas, c'est un peu une consécration un peu, enfin je suis vraiment très contente d'avoir été choisie. Après j'ai fait un partenariat avec la marque Woo Wear, j'avais déjà fait l'année dernière et j'ai refait, donc c'est des bijoux, donc notamment ces boucles d'oreilles que j'adore, je les mets hyper souvent, en général je mets soit celles-là, soit les fameuses Hermès que je sais pas où elles sont, putain, je les adore, et je trouve elles sont trop belles, vu qu'elles tombent c'est hyper chic, donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai aussi eu un partenariat avec Basile, donc très récemment. Hop. Bon, en même temps je pense que vous voyez parfaitement quel sac c'est, puisqu'ils ont quand même arrosé plein de youtubeuses, et donc vous avez eu plein de vidéos en même temps sur ce sac, et je sais que ça vous a un peu gavé, enfin j'ai vu les commentaires sous les vidéos des autres, moi je m'en suis bien sortie dans le sens où c'est moi qui ai sorti la vidéo en premier, c'est le hasard, on a toutes reçu le sac en même temps je pense, en fait c'était des précommandes, et ils ont pas envoyé aux youtubeurs avant, ils ont envoyé en même temps à tout le monde, et donc on a toutes reçu le sac, moi dans mon engagement voilà, j'étais censée faire la vidéo rapidement, donc je pense comme toutes. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur le sujet, ça vous a saoulé, ce que je peux comprendre. Après ça c'est le choix de la marque, c'est pas le choix des youtubeuses. Clairement on s'est pas appelé pour dire « Ah est-ce que t'as ce partenariat ? Moi je sors ma vidéo demain. Ah bah moi aussi, bah ouais mais voilà. » Donc ça c'est vraiment le hasard, enfin le hasard. Après c'est la marque, je veux dire là c'est la politique marketing de la boîte que vous pouvez critiquer, que je trouve effectivement, ils auraient peut-être pu étaler sur le temps. Après, moi personnellement, pareil, je suis hyper, hyper fière qu'il y ait une marque de sacs. Voilà, c'est des sacs qui sont fabriqués en Italie, qui est juste magnifique. Donc, marque française fabriquée en Italie, la qualité est géniale. Le sac est sublime. Donc, moi, je suis vraiment fière, hein, pareil, hein, enfin, comme pour tous mes partenariats, d'avoir été choisie. Hein. Pareil, les bijoux, ils sont aussi fabriqués en Europe. Ça, moi, je trouve ça assez important. Sur la montre, tout n'est pas fabriqué en Europe, certaines pièces, mais vous pouvez voir, c'est complètement transparent. C'est complètement transparent d'où viennent les pièces et le coût de revient de chaque pièce et tout ça, et même la marge qui se font, tout est affiché sur le site. Je trouve que c'est... Il y a très peu de marques en fait qui fait ça, donc je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, moi je suis vraiment ravie de mes partenariats. J'espère en avoir encore l'année prochaine, voilà. Mais vraiment, je suis vraiment fière en fait que... Bah, il y a des marques qui se soient dit, qui aient choisi ma chaîne en fait pour faire leur partenariat. Donc merci à ces marques, merci. Donc voilà, pour ça, année super. Après très honnêtement, l'histoire donc du Basile là, qui a été vue sur plein de chaînes et où il y a quand même certaines youtubeuses qui se sont pris des commentaires pas forcément super sympas. Après moi je comprends que ça vous ait gavé, hein, c'est clair, mais bon pour le coup on y était pour rien. Si la marque fait sortir les vidéos à tout le monde en même temps, c'est un peu, c'est eux qui ont décidé comme ça. Hein. Après ça a pénalisé les youtubeuses en fait, mais ça, je pense que ça les a pénalisés eux aussi parce que... Bah parce que vu que vous avez été gavé par le sac et tout, vous ne l'avez pas acheté, donc ça a été contre-productif pour tout le monde finalement. Mais bon, voilà. En tout cas, je ne dis pas non à un autre partenariat avec Basile parce que je trouve que c'est une très belle marque et je trouve les sacs super, donc franchement, voilà. Donc après aussi, je pense peut-être ça joue aussi sur la démotivation que j'ai ces derniers temps sur YouTube, trouver des idées vidéo, un peu la motivation et tout ça. C'est qu'il y a eu 2-3 histoires avec des youtubeuses, des trucs, des gamineries, donc je rentrerai même pas dans les détails. Et rien d'important, des mini-trucs, je veux dire, on parle de chaînes qui ont 2000 abonnés, 1000 abonnés, des toutes petites chaînes, donc vraiment des broutilles. Mais des trucs, je trouve, qui dénotaient un peu un mauvais esprit. Donc moi, ça m'a un peu fait chier. Ça m'a un peu saoulé. Et en fait, c'est vrai que j'avais un peu oublié que YouTube, c'est un réseau social. Naïvement, j'avais oublié. Et que, en fait, il peut y avoir un peu les mêmes histoires de merde que sur tous les réseaux sociaux. Soit on n'est pas Twitter, mais je sais pas. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance. J'ai pas de haters, machin. Et j'ai pas des gens qui sont méchants, qui mettent des commentaires pas sympas et tout. Je sais qu'il y en a qui, malheureusement, ont ce genre de comportement sous leurs vidéos. Moi, c'est pas le cas, donc j'ai beaucoup de chance. Et merci à vous, parce que vous êtes clairement la meilleure audience et tout. Mais ouais, donc ça m'a un peu miné et ça m'a un peu saoulé. Je trouvais ça ridicule.
et un peu mesquin, donc voilà, je pense que ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai que j'ai du mal, là je me dis, bon, là il faut sortir une vidéo par semaine, parce que je sais pas, moi c'est un peu mon engagement moral de moi avec vous, mais surtout moi avec moi, parce que vous à la limite, vous en foutez, il y en a plein des vidéos tous les week-ends, donc s'il n'y a pas la mienne, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'ai du mal là à tenir le rythme, et j'ai du mal à tenir, et en fait j'ai l'impression de pas faire de la qualité. J'ai l'impression que mes vidéos elles sont pas très qualitatives, bah là en même temps je fais une vidéo pour vous dire que je fais des vidéos pas qualitatives. Mais vous voyez ce que je veux dire, je suis pas forcément contente du résultat de certaines vidéos, mais je publie parce que je me dis bah, faut que je publie, et je suis quand même contente de publier, de voir vos commentaires, et voilà. Mais je sais pas, je suis moins contente de mes vidéos ces derniers temps qu'avant. Après je pense que peut-être que je prenne mes marques, voilà, on enchaîne, c'est un peu le... C'est comme s'il y avait un plan dans mon truc, mais l'air de rien. Donc avec bah, l'année 2023 au niveau perso, donc l'année 2023 au niveau perso, pas ouf. Donc on a eu un divorce, un déménagement, un moment où j'étais SDF, et donc j'ai squatté chez des gens et que je remercie très chaleureusement de m'avoir prêté leur appartement pendant plusieurs mois. Je devais récupérer un appart, ça a été repoussé, j'ai dû en trouver un autre, et c'est là que je me suis rendu compte de l'enfer que c'est pour trouver une putain de location. Je sais pas, pareil, j'étais naïve là-dessus, et l'enfer pour trouver, j'arrêtais pas, je me faisais tout le temps griller par des couples, autant avoir deux personnes qu'une. Donc l'enfer, honnêtement, vraiment, je pensais pas que c'était aussi dur de trouver une loc, donc ça a été très compliqué. Donc voilà, j'ai déménagé bah, donc, il y a 3 semaines, donc fin d'année, alors que j'avais déménagé avant l'été, enfin au début de l'été, quoi, donc ça a quand même été très très long. L'appart que j'ai, c'est un appart que j'ai pris par dépit, clairement, puisque bah, je trouvais rien, donc j'ai pris. Il est cool, mais il est pas non plus ouf. C'est petit, mais ça va. Après, c'est quand même cosy, mais c'est petit. Mais ça va. Moi, j'ai mis ma déco, ça va mieux. Mais bon, petit enthousiasme, on va dire. Mais donc ça a été très compliqué, très fatigant. Grosse charge mentale. Donc, je me suis tapé de l'eczéma, tout ça. J'ai aussi divorcé. Donc, pareil, bah forcément, ça, voilà, ça fait pas plaisir. Beaucoup aussi de mensonges autour de moi. Enfin, je me suis rendu compte de des trucs aussi, en 2022 aussi. Mais je me suis rendu compte en 2023 de certaines choses. Et bah, ça, j'ai pas aimé. Voilà, on n'aime pas, c'est pas très agréable quand on se rend compte que ça fait des mois que des gens nous mentent, mais bon bah c'est comme ça. Après je pense que j'ai menti aussi à des gens, donc c'est pas, enfin voilà, mais je veux dire, je balaye aussi devant ma porte, hein, c'est pas, mais bon, donc on remet en cause pas mal de choses et tout ça, donc année assez difficile. Au niveau pro, ça va, que j'avais, heureusement j'avais une chef super, une équipe super, mes collègues sont top, très gentils et tout, bonne ambiance, parce que si en plus ça avait été la merde, voilà. Mais donc non, année assez difficile, et bah c'est pour ça aussi je pense que je suis pas très motivée pour les vidéos. Pourtant c'est un peu ma bouée en fait, enfin les vidéos c'est un peu mon gros loisir et tout ça, mais en fait mine de rien ça génère du stress, parce que faut tourner, alors faut trouver les idées, faut préparer les vidéos, faut tourner, faut faire le montage, et moi je sais pas, il faut que je sorte les trucs le dimanche, enfin il y a des fois j'ai sorti le lundi parce que j'avais pas eu le temps avant. Mais dès que j'ai un truc prévu dans les week-ends, parce que moi je fais tous les week-ends, là on est samedi matin quand je tourne. Et en général, bah, donc cet après-midi je fais le montage et ça sort demain, et donc en gros j'ai quand même une journée de mon week-end qui est consacrée à ça à peu près, hein. Et sans la préparation, s'il y a de la préparation selon le type de vidéo, bah, ça veut dire que derrière on prépare le soir, on prépare le week-end d'avant, enfin ça après chacun s'organise comme il peut, ou entre midi et deux, enfin je ne sais pas. Des fois je tourne en semaine entre midi et deux quand je suis en télétravail et tout, mais c'est plus dur, faut être vraiment au taquet, faut que la vidéo elle soit assez courte et faut être carré, faut que tout soit hyper prêt, genre la veille on a mis en place l'appareil photo avec la ring light pour que tout soit prêt et tout, mais c'est vrai que c'est, bah mine de rien ça rythme la semaine en fait. Et là donc maintenant je prends des cours d'italien, autre nouveauté de cette année, là depuis septembre je prends des cours d'italien le mercredi soir. Donc ça veut dire que le mercredi, je rentre chez moi à 20h. Alors, rentrer chez soi à 20h, pour plein de gens, je pense, c'est pas... Enfin, je sais pas. Mais moi, normalement, je rentre chez moi à 17h30 ou à 18h. Donc rentrer chez moi à 20h, clairement, ça... J'ai l'impression que ça me prend un temps de l'enfer. Et donc, j'ai l'impression de passer mon temps à courir. Depuis très récemment, 2 semaines, et on sait pas si ça va durer, mais pareil, je me suis remis au sport. Bon, je vais au waterbike une fois par semaine, folie en termes de sport, mais c'est mieux que rien, 50 minutes de waterbike par semaine, c'est pas mal. Mais donc pareil, ça rajoute ce que c'est vers mon taf, mais je dis 15 minutes de marche aller, 15 minutes de marche retour. Je vais au waterbike, 50 minutes, donc le temps de se mettre en maillot, machin, se sécher, se rhabiller, bon, ça vous prend au moins 1h45 de pause, soit entre midi et deux, soit le soir. Voilà, et donc en fait j'ai l'impression de courir, et donc j'ai pas le temps, et je suis toujours en train de faire un truc. Ça va que j'ai pas trop de vie sociale, donc à la limite, je glande rien de mes week-ends, donc j'ai que ça à faire les vidéos. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours le stress, enfin j'ai l'impression que il y a trop de trucs à gérer alors que j'ai 2 pauvres activités dans la semaine, enfin vous voyez, c'est compliqué.
Mais bon, voilà. Je pense que c'est aussi la fatigue accumulée avec la séparation, toutes les formalités pour la vente de la maison, toutes les formalités pour trouver un appart, toutes les formalités pour pas avoir d'appart parce qu'on s'est fait jeter sur tous les apparts, pas avoir de logement pendant 4 mois, enfin... Voilà. Donc, franchement, 2023, vivement que ce soit fini parce que c'est quand même globalement la merde. Voilà. Mais après, heureusement, j'ai des amis super et j'ai quand même été bien entourée aussi par ma famille, donc ça, c'est cool. Donc, heureusement. En plus, pour couronner un peu cette fin d'année pas terrible, j'ai eu aussi un décès dans ma famille. Donc, c'est vrai que ça... Bah, voilà. Enfin, après, ça... Bah, enfin, voilà. Enfin, c'est très difficile et voilà. Mais ça permet aussi un peu de... Comment dire ? De remettre en perspective ce qui est important dans la vie, en fait. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas aidé à la gaieté de fin d'année. Là, on arrive à Noël, où on a un peu une injonction à être heureux et à être festif et tout. Voilà, j'ai pas l'impression. Aujourd'hui, on est le 9 décembre. Pourtant, j'ai commencé à faire les cadeaux et tout, mais je sais pas. Après, moi, je mets pas de sapin. Je suis pas au cours d'italien. Tout le monde est là, ah bon, tu fais pas de sapin? Bah, je fais non, je suis toute seule, je trouve ça décevant. Ah, moi aussi, je suis toute seule, je fais un sapin. Bah. Non, moi, je fais pas de sapin. J'ai le sapin chez mes parents. Voilà, j'estime que ça suffit. Mais ouais. Quand même, donc, autre truc merdique en 2023, j'ai découvert Tinder. Ah, bah, j'y suis pas restée longtemps tellement j'ai trouvé ça atroce. C'est horrible ce truc, c'est. La. Enfin. Moi, j'ai eu l'impression d'être. Même pas un morceau de viande, parce qu'en fait, on se fait ghoster, enfin, sans même, on rencontre même pas les gens, on se fait ghoster direct. J'ai trouvé ça d'une violence, enfin, je sais pas, j'étais sur les trucs de rencontre il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Là, je trouvais ça violent de ouf. Clairement, j'y suis pas restée longtemps, je me suis virée de cette horreur. Franchement, ça m'a plus déprimée, je pense, qu'autre chose. Je déconseille. Les gens font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, Tinder, moi, j'ai trouvé que c'était dégueulasse. J'ai détesté, franchement, que des gens chelous. Non, vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper dur, ça m'a un peu miné le moral. Heureusement, ça fait quoi, 2 ans? Ouais, ça doit faire 3... Non, 3 ans. 3 ans? 2 ans. Enfin, je sais pas, au moins 2 ans que je vais chez le psy. Bon, la première psy était nulle, mais là, j'en ai une autre qui est top. Et donc, on avance, donc ça, c'est cool. Mais, ah ouais, non, Tinder, vraiment, quelle horreur. Et si quand même un truc positif en 2023 au niveau perso, faut pas exagérer. Mon premier voyage solo à Florence. Donc bon, il y a un vlog sur la question, donc je vais pas vous refaire l'histoire. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment super cool, finalement. Donc je recommande de voyager seule, en fait c'est cool. Enfin surtout à Florence, je pense que c'est tellement beau. On peut tout faire à pied, c'est tellement pratique, on mange bien, c'est l'Italie. Même si on mange quand même un peu toujours la même chose, mais on s'en fout, on mange des gelatos. Non franchement j'ai adoré et j'espère un peu progresser en italien. Clairement là je progresse pas parce que bon j'ai loupé 2 cours déjà et il faudrait que je travaille. Le week-end et tout pour apprendre le vocabulaire, apprendre les conjugaisons et tout, et autant vous dire que je ne le fais pas, mais il faut que je m'y mette, sinon ça va servir à rien ces cours d'italien, et il n'y a pas moyen, donc il faut que je me bouge pour pouvoir justement retourner, peut-être pas à Florence, mais je pourrais aussi faire Milan, Bergame, Lac de Côme par exemple, là c'est tout est juste à côté, ça c'est faisable, genre être basé à Milan et faire une journée à Côme, une journée à Bergame et tout, donc pourquoi pas faire ça l'année prochaine. Mais j'aimerais bien pouvoir parler un peu italien là-bas, donc il faut que je me bouge. Et ben voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a un peu fait le tour, voilà. Moi quand même il me tarde que cette année soit finie, et ben, il me tarde aussi d'avoir mes cadeaux de Noël, parce que je sais les cadeaux que je me suis fait de moi à moi est trop cool. J'espère avoir aussi ce fameux bracelet avant la fin de l'année, là j'espère l'avoir la semaine prochaine, là on est le 9 décembre, donc voilà. On est un peu impatient quand même sur ce bracelet qu'on attend depuis mars. Surtout qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau problème. En fait, vu que c'est des trucs qui sont faits sur mesure, bon, et que. Enfin, je sais pas. Pourtant, ils sont cool à la boutique, mais je sais pas, ils sont un peu mous du genou. Enfin, bref. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo à l'occasion. J'espère que vous avez passé une bonne année 2023 et qu'elle se termine en beauté, que vous allez passer de bonnes fêtes. Bah dites-moi si... Bah faites-moi aussi votre petit bilan luxe ou perso comme vous voulez, parce qu'après je force pas à me parler de votre life. Mais non, savoir bah juste ouais, vos achats de l'année, ça peut être hyper intéressant. Moi là j'ai fait un peu comme ça rapidement, mais bah j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et donc ouais encore, bah bonne fête à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.